Salut à tous, une vidéo qu'on m'a demandé de temps en temps, d'ailleurs de manière plus en plus régulière. Est-ce que tu pourrais nous présenter ton environnement de tous les jours en informatique? Pourquoi pas? Donc là, c'est une vidéo qui va durer 5-10 minutes à tout casser. Donc je vais vous présenter rapidement ce qui est mon environnement informatique au quotidien. On m'a souvent demandé qu'est-ce que tu utilises comme distribution? C'est Arch Linux. Voilà, ça déjà, la réponse est là. J'utilise un Mate Desktop 1.17, 1, 2, pardon, voilà, une version 2 de développement. Voilà. Mon matériel, c'est un vieux machin, voilà, dans les outils système. Voilà, donc voilà à peu près combien ça me mange. Voilà. C'était un vieil Athlon X2-215, autant dire que c'est la dernière nouveauté, n'est-ce pas? Et en ressources, je suis à 800 mégas, mais il ne faut pas oublier que j'ai le système presque comme un recorder qui m'a bouffé dans les presque 200 mégas, 150 mégas pour système presque comme un recorder. Donc on peut dire que j'ai à peu près 700 mégas de manger. Mais aussi j'ai pas mal de trucs, j'ai payé de mon imprimante et compagnie. Donc c'est normal que ça mange un petit peu de mémoire vive. Bon, côté équipement logiciel, bon, mais c'est le truc classique, tout ce qu'il y a de maté, quoi. Là, il n'y a pas grand-chose. Bon, bien sûr, j'ai le pilote. Bon, je vais mettre ça là, ce sera mieux. Voilà. Bon, bien sûr, j'ai tout ce qui est pilote pour mon imprimante. Voilà, donc ça, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à rajouter. En bureautique, j'utilise Calibre. FreeMind, c'est un logiciel qu'on dit de mind mapping ou de carte mentale. Ça sert toujours au cas où on a besoin de dire, bon, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça. Donc, j'utilise FreeMind. Toujours pratique quand je veux ordonner mes idées. Donc côté logiciel internet, j'utilise Xchat de temps en temps pour parler sur le chat. J'ai des versions compilées maison de Firefox et Thunderbird. La 154, bon, je ne voudrais pas Thunderbird parce que quand même c'est mes données personnelles et ça, niet, pas question que vous y accédiez. Google Music Manager, oui, parce que je n'ai pas de Google Music. Et oui, je suis un mauvais libriste. FileZilla pour tout ce qui est FTP, bien sûr. Bon, je ne lancerai pas non plus parce que c'est pas question, donc je vous montre mes sites perso et autres. Et transmission, mais, tout ce qui est justement transmission de données. Là, je pense que transmission est vide. Et c'est une version que je maintiens sur AUR. Je reviendrai plus tard sur AUR parce que vous connaissez l'expression manger sa propre pâtée pour chien. Mais je ne sais pas si j'ai dit déjà ça dans ton offre, donc enfin, je vérifie. En clair, j'utilise le logiciel que je propose sur AUR. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, ben, j'utilise bien sûr LibreOffice, la version 5.2.5. Je sais pas lequel. Ouais, c'est bon. LibreOffice 5.2.5. C'est un Mate GTK3, j'ai oublié de préciser, mais comme maintenant, Mate 17 et suivant ne seront qu'en GTK3. Voilà, tout ce qui est programmation, c'est par rapport à QT4 et 5, les logiciels que j'utilise en QT4 et 5 ne sont pas très nombreux. Pour QT 5, c'est le pilote de, enfin, c'est l'interface de mon imprimante HP. Et QT 4, je pense que ça va être pour Google Music. Voilà. Donc, Brasero, pour quand j'ai besoin de graver. Cheese, pour quand je fais des vidéos en facecam. EasyTag, DeadBeef, c'est quand j'ai envie de me lancer des albums sans lancer quoi des bêtes, en gros, sans lancer les usines à gaz. EasyTag, sa version développement que je maintiens sur AER. Pour taguer mes fichiers. Pour ça que je vais lancer. Enfin, je compile là dans ligne. Voilà. Ça, c'est la version 2.5.1. Donc, ça fait la version de développement de la 2.6. Voilà. C'est pour taguer mes fichiers audio. Enfin, étiqueter les fichiers audio quand il manque des données. Bon. Il y a aussi l'outil Music Brand Speakard. C'est pour envoyer. Handbrake, c'est pour retoucher mes vidéos quand j'en ai besoin pour les stocker, pour faire mes sauvegardes de données. Ça, c'est pratique pour fusionner des vidéos comme j'ai pu le faire pour la Gentoo, la Funtoo et autres trucs qui sont un peu longs. Music Brains, c'est pour tout ce qui est musique en ligne, toujours pratique. Bon, Quadlibet, bien sûr, pour l'audio. Simple Screen Recorder qui enregistre cette vidéo. Soundjuicer quand j'ai besoin de ripper des CD. GVC View, c'est pour la caméra. Et GNOME MPV avec même MPV Media Player, c'est pour remplacer VLC qui commence vraiment à sentir le sapin. Donc vous voyez, il n'y a pas grand-chose de
et éducation, voilà. Vous voyez, mon équipement logiciel, tout ça, plus classique. Donc, aussi, j'utilise, et ça, c'est pas bien, je sais que ça t'a engueulé, PAMAC. Pour deux raisons. Déjà, le gestionnaire de mise à jour qui me prévient, il y a des mises à jour disponibles. Donc, je ne peux pas y faire une ligne de commande. Mais surtout, ce qui est plus pratique, c'est quand je recherche un logiciel, j'ai la flemme de me taper la ligne de commande pour ça. Voilà, parce que c'est pratique. Ne serait-ce que pour dire. Vérifier les paquets orphelins. Alors ça, c'est bien pratique. Alors là, ces deux-là qui sont orphelins. Voilà. J'avais oublié de les virer. Bon, mais ça, je n'utilise pas pour tout PAMAC. Mais c'est très pratique. Voilà, donc, vous voyez l'ensemble des logiciels que j'utilise hier. Ah oui, il y a Matécalque que j'ai importé sur AUR. Donc, tout ce qui est VirtualBox, bien sûr. Transmission GTK, PMAC AUR. Je sais, c'est mal, j'utilise Yaourt. Je sais. Je devrais utiliser Pacman uniquement ou Cower avec PAC AUR. Et merde. J'utilise ce que j'ai envie d'utiliser. Après, tant que ça ne fout pas le système en l'air, c'est le principal. De quoi convertir des fichiers FLAC en MP3. Ça peut toujours être pratique. Voilà, donc vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Je dois avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. J'ai 12 paquets. Qui sont originaires d'AUR. Voilà. C'est énorme. Hein. Non, bien sûr, vous avez pu, comme vous savez, j'utilise VirtualBox. Et là, en ce moment, je fais Mumuse avec une Funtoo. Ça donnera peut-être une vidéo, peut-être pas, mais ça, on verra bien. Donc voilà en quoi, en gros, de quoi est constitué mon environnement logiciel. Donc je vais vous montrer aussi à quoi ressemble Quadlibet, la version 3.8.1, je crois. Si on veut bien se lancer. Voilà, c'est bon, il est lancé. Donc là. Voilà, donc là. C'est la version 3.8.0. Autant pour moi, je pensais que c'était la 3.8.1. Donc voilà en gros en quoi ressemble mon environnement utilisateur de tous les jours. J'ai pas besoin de beaucoup plus. Pardon. Ah oui, dernier truc que je vais vous montrer, c'est maintenant je suis en train de me convertir à ZSH, un shell alternatif à Bash. Voilà, c'est bon pour ça, par exemple, pour ça, parce que c'est bien pratique, ne serait-ce que pour la coloration. Ah oui, j'ai oublié de préciser, bon, pour Calibre, voilà. C'est la dernière version de Calibre, enfin j'espère, parce que Calibre bouge pas mal, pas mal, pas mal. Ça me sert toujours quand j'ai besoin de convertir mes fichiers en ePub ou en MOBI, c'est surtout aussi quand je fais mes tutoriels. Et même, voilà, ça tombe pile sur moi, une version disponible à jour, mettre à jour. Bon, ça arrive. Donc là, j'utilise ZSH. Pour le noyau, donc je vais mettre en plus gros. Donc j'utilise Arch Linux Testing, donc un noyau 4.9.6 qui démarre enfin sur les processeurs Intel. Ah, ça fait plaisir à voir. Enfin, vous comprendrez pourquoi. Je vais expliquer pourquoi tout de suite d'ailleurs. Donc, si je mets LSB Release moins A. Et côté taille prise, voilà, j'en ai un. Mon système prend 5,5 Go. Quoique, je peux peut-être le faire gagner un peu de place. Ah, 5,3 Go. Mais vu tout ce que j'ai, c'est pas excessivement lourd. Donc, là, les paquets. Je vais expliquer. Je vais dire pourquoi enfin démarre sur. Alors, Bugzilla. Voilà. C'était par rapport à ce putain de bug que j'ai rapporté et qui a été intégré au noyau 4.9.6. Alors, voyons, c'est Stable Q. Voilà. Si ça vient se charger. Je crois que c'est celui-là. Voilà. Et là, je vais le mettre en plus gros et vous allez voir quelque chose qui va vous faire rire. Enfin, rire, c'est peut-être pas le cas de dire. Et si on regarde dans la liste des personnes qui ont testé le patch, voilà, je surligne. Pourquoi
Pour les personnes qui disent que je ne fais rien, allez vous faire voir. Voilà, bien sûr, ça c'est un Firefox 54. Avec. En anglais, parce que j'utilise la version recompilée maison. Bon, ça fait 2 jours que je n'ai pas recompilé, c'est pas bien. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle n'était pas super utile, mais on m'en a demandé plusieurs fois. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye!